Bonjour, je m'appelle Benjamin Figared, je suis actuellement à New York où je travaille pour la société Valrhona et je suis chef de projet sur un projet qui verra peut-être le jour dans quelques mois si tout se passe bien. Alors du coup chez Valrhona, donc on fait du chocolat et on fait du chocolat directement avec du cacao qu'on achète auprès des producteurs. On travaille avec plus d'une quinzaine d'origines de cacao. Et du coup, mon travail a consisté pendant 8 ans, maintenant que je suis chez Valrhona, à identifier des cacaos à gros potentiel aromatique avant tout. Hein. Pour faire un bon chocolat, il faut d'abord du bon cacao, en se souciant aussi énormément de la qualité environnementale, de la qualité humaine qu'il y a dans chacune de ces fèves qu'on transforme. Du coup, comment faire des relations vertueuses, ou en tout cas pérennes, avec des petits producteurs, parce que la cacao culture, c'est vraiment des tout petits producteurs qui me rappellent beaucoup de mes cours de l'UFCAP. Tous mes jobs, je les ai trouvés dans le réseau Listom. Et quand je dis tous, c'est exclusivement, hein, j'ai fait 4 ou 5 jobs différents. C'était ou en réponse à une offre d'emploi que j'avais retrouvée sur le réseau des anciens, ou un ancien qui me proposait directement le job. On sait pourquoi on va faire appel à un autre listomien. On sait quelle qualité et éventuellement quelque chose il ne connaîtra pas, mais on sait quelle qualité et sur quoi on peut compter. Et du coup, ça fait que dans notre entreprise, on est 6 aujourd'hui. C'est vraiment chouette de pouvoir faire évoluer, vivre avec cette communauté depuis toutes ces années. Quoi. Je suis arrivé à Listom avec déjà la diversité en moi. Mon père, mon grand-père travaillait en Afrique. Je suis arrivé à Listom un peu avec cette envie d'aller redécouvrir mes racines, on va dire. Le développement est au cœur de Listom. Mon envie à moi, c'était de faire un développement par le négoce, en fait, par un échange plus vertueux. Et ça, je l'ai complètement appris à Listom. Je connaissais rien de l'économie du développement. Je savais pas ce que c'était qu'une économie informelle. Je dirais qu'à Listom, j'ai trouvé une boîte à outils qui m'a permis de mettre tout ça en œuvre et qui m'a permis de comprendre le mieux possible le monde dans lequel j'évoluais et qui m'a donné vraiment des outils qui me servent encore au quotidien, dans mon travail, mais dans la vie. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai trouvé à Listom. À court terme, c'est vraiment ce projet qui me tient à cœur. Du coup, j'ai bourlingué pas mal autour du cacao. Aujourd'hui, une petite famille, et du coup, envie d'un peu moins de voyager. Du coup, voir comment localement on peut faire aussi des choses très très chouettes avec ce cacao et puis en faire profiter le plus grand nombre. Donc voilà, pour moi l'espoir c'est ce projet qui va voir le jour, donc peut-être les premiers coups de pioche dans pas longtemps.